Excusez-moi, je vois que vous me regardez depuis un petit moment. Oui. Ouais, bah faut arrêter. Hein. Pas me faire draguer comme ça, à la terrasse d'un café. Sous prétexte que vous me trouvez beau ou charmant, je sais pas, je m'en fous. Faut arrêter. Hein. On se connaît pas. Hein. Ben non, on se connaît pas. Donc je me disais qu'en vous regardant, vous alliez. Succomber à vos charmes. Ouais, mais non, mais ça se passe pas comme ça. Les hommes sont pas des objets. On sait que parce que vous désirez quelque chose, on va tout de suite. Attendez, c'est pas désagréable de se faire draguer par une femme non plus. Parce que c'est un cadeau. Pas du tout. Je vous trouvais effectivement pas mal. Et comme on était chacun seul à notre table, je me suis dit, tiens. Je me le taperais bien. Voilà. Non, enfin, se parler dans un premier temps, pas forcément... Ah bah, se parler pourquoi? Pour mieux se connaître. Ah oui. Et mieux se connaître pourquoi? Oui, bah pour baiser éventuellement. Ça va, c'est pas un crime de draguer quelqu'un à la terrasse d'un café. C'est pas un crime, mais il n'y a pas que les crimes qui sont dérangeants. C'est juste que je ne suis pas qu'un corps. Je ne suis pas juste un objet de désir qu'on manipule comme ça, comme on veut. Et puis de toute façon, ce que vous faites, ça ne se fait pas. C'est la femme qui drague l'homme, c'est pas l'homme qui drague la femme. Pardon? Bah, oui, s'il doit éventuellement se passer quelque chose entre nous, c'est à moi de le décider, c'est pas à vous de le choisir. C'est quoi ces conneries? Ces conneries, ça s'appelle l'éducation. J'ai le droit de faire un cours accéléré. Mais c'est marqué où que c'est les hommes qui draguent les femmes et pas l'inverse? Ah bah je sais plus, mais c'est forcément marqué quelque part, parce que tout le monde le sait. Et tout le monde le sait, vous êtes un connard. Ok, c'est votre système de défense. Sinon, vous avez décidé de m'agresser aujourd'hui. Parce que je vous ai dragué, ça vous a agressé? Mais vous vous rendez compte de ce que ça fait? Oui, mais déjà venu par draguer, oui, je vous remercie. Eh ben, c'est pareil. Sauf qu'en plus, vous le faites dans le sens inverse. Dans le sens inverse? Dans le sens inverse de comment on doit le faire normalement. Mais vous êtes marié? Ou gay? J'ai été les deux, mais ça n'a rien à voir. Je vous parle juste de l'ordre des choses, de comment ça fonctionnait le monde avant que vous décidiez de changer les règles. Ah d'accord, un vrai connard. Ok, ok, voilà, c'est une bagarre. Si on vient nous agresser, qui va aller se battre? Vous, j'espère. Ok, d'accord. Je vois que ça vous dérange pas que ce soit qu'elle fasse. Bah, c'est pareil pour la drague. Il y a un homme, il y a une femme, s'il doit se passer quelque chose, c'est l'homme qui décide. Eh oui, sinon ça fait vulgaire. De toute façon, le verbe draguer, je drague, je drague, c'est masculin. Elle drague, ça n'existe pas. Je l'ai jamais entendu. Et elle t'emmerde, vous l'avez déjà entendu? Là, vous commencez à me plaire, oui. J'aurai deux doigts d'essayer de vous draguer. Ah oui? Alors que moi, je serais à deux doigts d'avoir envie de vous gifler. Putain, on est gentil avec les gens, voilà comment on va. Je vous offre un verre? Mais non! Foutez-moi la paix, j'ai juste envie de parler avec vous. Ah, vous voyez que c'est désagréable de se faire envoyer.